Ce soir, nous saluons chacun de vous au nom du Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. We say we greet each and every one of you in the name of the Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Nous nous demandons maintenant. Let us rise. La voix du Seigneur. Seigneur, que ta visitation
Thank you for your invitation. Merci pour ton merci pour la parole. Merci pour your love. Merci pour cette réunion encore. Faites ton œuvre dans ton amen. Comme tu es présent, nous nous attendons cette amen. Comme tu es présent, nous comptons seulement sur toi seul. Alors fais ton œuvre pour l'éclairer sur une carrière du royaume des cieux. Pour ta propre gloire, ainsi que pour notre joie. Guéris les malades parmi nous. Consolez les affligés. Sauve les perdus. Tu es présent. Toi, le tout-puissant. Le tout-suffisant. Au nom de le Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. The name of the Lord Jesus Christ. Nous disons Amen. 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 Vous asseyez. We read one verse, then you may be seated. Acte des Apôtres, chapitre 1er. Act of Apostles, chapter 1. Verset 4 à 5. Verse 4 to 5. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé l'heure d'été. Asseyez-vous, s'il vous plaît. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which, said he, ye have heard of me. Verset 5, car Jean a baptisé trop, mais vous, dans deux jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Nous sommes en train de traverser le moment merveilleux. We are busy going through wonderful moment. Ma prière est que Dieu puisse faire comprendre à chacun de vous que c'est important d'être présent dans la réunion. My prayer is for God to make each and every one of you to understand that it's important to be in the meetings. Nous parlons sur le baptême du Saint-Esprit. We are talking about the baptism of the Holy Ghost. Ce qui est très important pour quiconque s'appelle chrétien. Which is very important for someone that calls himself Christian. Comme on l'a dit le lundi passé. As we have said it last Monday. Avant d'aborder la troisième partie de notre sujet. Before we start the third part of our topic. Je préfère d'abord vous parler cœur à cœur. I want to speak to you as what? Qu'il a cœur sur des choses très importantes. At what? On about a very important thing. De façon à vous préparer à la suite. Donc, la troisième partie là. In order for me to prepare you for the following, for the follow-up. Ne l'oubliez pas. Do not forget about it. Comme nous l'avions dit le lundi. As we have said that on Monday. Le Saint-Esprit est un don de Dieu. The Holy Ghost is a gift from God. Le Saint-Esprit est une promesse du Père. The Holy Ghost is a promise from the Father. Amen. Et c'est Dieu seul qui en donne. And God alone grants it. Amen. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Amen. It's God that gives the Holy Ghost. C'est Dieu seul qui baptise du Saint-Esprit. God alone baptizes with the Holy Ghost. Du début à la fin, il n'y a rien de l'homme là-dedans. From the beginning up to the end, there is nothing human. L'homme peut vous aider comment surprendre. The human can help you how to go about that. Peut vous montrer par où entrer. Can show you way to get in. Mais c'est lui qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. But the one baptizing with the Holy Ghost is Jesus Christ himself. Et le Saint-Esprit est un don de Dieu. And the Holy Ghost is the gift from God. Un don veut dire quelque chose de gratuit. A gift means something that is for free. J'aime que vous compreniez cela très bien. I want you to understand that very well. Un don veut dire
quelque chose que vous recevez gratuitement. A gift means something that you receive freely. Le Saint-Esprit est une promesse de Dieu. Amen. The Holy Ghost is a promise from God. Ce n'est pas l'homme qui a promis. Amen. It is not the man that promised. C'est Dieu qui l'a promis. It's God that promised that. Et Dieu ne trompe jamais. And God never lies. Ce qu'il promet, what he promised, il est largement de temps et accompli. He is able to fulfill that. C'est ce qui fait notre joie. That what makes our joy. C'est vrai, mes frères et sœurs. It is true, my brothers and sisters. Nous avons dit que Dieu donne le Saint-Esprit comme il veut. And we say that God gives the Holy Ghost as his will, as wish. Et de la manière qu'il veut. And in the manner as he wants. Parce qu'il est souverain. Because he is sovereign. Il donne le Saint-Esprit comme il veut. He gives the Holy Ghost as he wants. Le Saint-Esprit peut entrer dans un croyant avec sensation. The Holy Ghost can go into a believer with sensation. Avec sensation, ça peut te rouler par terre. With sensation, it can throw you down. Ça peut t'amener à sauter. It can take you to start jumping. Or you start speaking in tongues. C'est vrai. It is true. Ça peut faire tout ça. It can do all of that. Ça peut te rouler par terre. It can take you to roll down. Mais dans tout cela, but in all that, n'aie pas honte de cela. Do not be ashamed of that. Ne résiste pas. Do not resist. Si Dieu décide de te le donner avec sensation, if God decides to give it to you with sensation, ne résiste pas. Do not resist. N'aie pas honte de cet esprit. And do not be ashamed of the Holy Ghost. Et surtout ne critique pas quand tu vois l'autre faire ça. And especially, do not criticize if you see one. Car tu risques de blasphémer. Because you are at risk to blaspheme. C'est vrai. It is on est respectueux. We are respectful. Chacun s'attendait à Dieu. Everyone is expecting from God. Il est souverain. He is sovereign. Il peut te le donner avec sensation. He can give it to you with sensation. C'est vrai. It is true. Et si tu vois quelqu'un d'autre le faire, and if you can see somebody else doing that, ne critique pas cela. Do not criticize that. Et tu l'espères. All them some respect. Sont des choses peut-être nouvelles pour toi. Maybe they are new things for you. Mais aie-le. But you all them some respect. Nous avons dit que le Saint-Esprit peut aussi entrer dans un croyant sans sensation dans le cœur. We also say that the Holy Ghost can get in into the believer with mais no sensation. C'est une expérience. But it's an experience. Going on. When it comes in, dans le calme, in a quiet, sans sensation, with no sensation, peut-être le voisin ne verra pas ça. Maybe the neighbor will not see that. Mais toi, but yourself, il a reçu, that have received that, il saura, you know that, que quelque chose est entré à moi maintenant. That something has entered within me now. C'est vrai, frère. It is true, brothers. Car c'est une expérience. Because it is an experience. Tu peux sentir comme si on a enlevé sur tes épaules 10 tonnes de poids. You feel as if they remove on your shoulders 10 tons of everything. Tu te sens bien. And you feel tu peux sentir une joie terrible t'envahir. You can feel a great joy taking over you. Une paix du cœur terrible. A peace of mind. C'est vrai. It is true. Tu dois connaître. You have to know. Quand c'est quelque chose qui entre que tu n'avais jamais expérimenté autrefois. Because it is something that is coming in that you never experienced before. Dieu est souverain. God is sovereign. Il peut te le donner avec sensation. He can give it to you with sensation. Ou sans sensation. Or with no sensation. Mais une chose est vraie. But what is true? Le Saint-Esprit quand il entre, when the Holy Ghost comes in, qu'il ait une sensation ou pas, whether there is sensation or not, il conduit dans toute la vérité. He will guide you in the entire truth. Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. The Holy Ghost will guide you in the entire truth. Le Saint-Esprit te fera croire et vivre la parole. The Holy Ghost will make you believe and believe the word. Amen. Voyez? Do you see that? Avec ça, que tu vas juger les sensations ou la joie que tu avais sentie. It is with that you are going to judge the sensation or the joy that you got. Vous jugerez tout cela.
You judge all that. Toutes les expériences que tu as fait. All the experience that you have made. Tu les jugeras par rapport à l'évidence. You judge them with regard to the evidence. Si ce qui était en toi c'était lui. If what was within you. Si ce qui avait fait que tu sautes, tu pars en l'air, c'était lui. If what makes you to jump around was the Holy Ghost. Alors, then, il te conduira. He shall guide you dans toute la vérité. In the entire truth. Tu peux dire comme Paul. Then you can say like Paul. C'est le plus moi qui vit. It's no longer me living. C'est Christ qui vit en moi. It is Christ living within me. Tes échecs d'hier. Your failure of yesterday. Il prendra le contrôle aujourd'hui. You will take care of them today. Là où tu ne pouvais pas hier. Where you could not do yesterday. Tu le peux aujourd'hui. Today you can. Parce que lui est en toi. Because he is within lui, you. Le je peux. Lui peut tout. Him that the I can. He can do anything. Il peut faire que tu résistes à la vérité. He can make you to resist against adultery. Il peut faire que tu corriges le mensonge. He can make you correct all the lies. Quand lui entre. When he enters. Il te fera vivre la parole. He will make you live the word. C'est parce que je me fais comprendre. J'aime que vous compreniez ces choses. I want you to understand these things. Avant que je n'aborde la troisième partie, before we talk of the third part, qui va faire que Dieu puisse vraiment nous visiter. That will make God visit us. C'est ça mes frères et sœurs. It is that my brothers and sisters. C'est ça le problème. That is the matter. Les gens peuvent sauter. People can jump around. Parler en langue. They can speak in tongues. Sois calme. Just remain quiet. Ça peut entrer avec calme. It can get him calm. Tu peux sentir la joie, la paix. You can feel the joy and the peace of mind. Ça peut être lui. It might be him. Mais, but si lui est entré en toi, if he got into you, il te conduira dans toute la vérité. He shall guide you in the entire truth. Il te donnera la capacité de croire la parole et la mettre en pratique. Amen. He will grant you the ability to believe the word and to put that into practice. Car le Saint-Esprit, nous avons dit, c'est Jésus lui-même en toi. As we say, the Holy Ghost is Jesus in you. Tu auras la vie de Christ. You will have the life of Christ. Christ l'a injurié, il n'a pas rien pareil. Christ was insulted, he didn't give it back. On l'a critiqué. He was criticized. Il n'a pas aussi critiqué. He did not criticize. Que Dieu nous aide. May God help us. Et c'est soit continuons dans la même ligne. Hein? And in the evening, let us carry on in the same line. Écoutez, frères et sœurs. Listen, brothers and sisters. Il n'y a pas un moment précis, un moment déterminé où Dieu doit donner le Saint-Esprit. There are no precise or determined time where God has to give the Holy Ghost. No. No. Dieu est souverain. God is sovereign. Il peut donner le Saint-Esprit à tout moment, quand il veut. He can give the Holy Ghost at any given time, whenever he wants. Il le donne quand il veut. He gives it whenever he wants. À tout moment. At any given time. Il peut te donner le Saint-Esprit pendant la prédication. He can give you the Holy Ghost during the preaching. C'est vrai. It is true. Comme chez Cornelius. Like at Cornelius. Prenons ça. Let us take that verse. Acte des apôtres. Act of Apostles. Chapitre 10. Act of Apostles, chapter 10. Verset 44. Act of Apostles, chapter 10, verse 44. Nous lisons ceci. We are reading this. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Amen. While Peter yet spake this word, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Oui. Do you see that? Quand l'apôtre Paul arriva chez Corneille, when the apostle Paul got at Cornelius, Corneille qui avait fait une vision, Cornelius that had a vision, dans laquelle l'ange lui disait de faire venir Corneille, in which when he did Pierre, in which the angel told him to call upon Peter. Il avait invité les amis et les voisins. And he invited friends and neighbors. Quand Pierre est venu, when Peter came, Cornelius a dit, Cornelius told him, maintenant nous trouvons devant le Seigneur. Now we are in front of the Lord. Et dis-nous tout ce que le Seigneur a mis dans ta bouche pour nous dire. Now tell us all that
the Lord had placed upon the old man to tell us. Il a ouvert la bouche. Then he opened his mouth. Il a commencé la prédication. And he started with the preach. Il a commencé à parler de Jésus Christ. He started talking about Jesus Christ. Les promesses accomplies. Of the fulfilled promise. Il a dit. And he told them. Tous les prophètes. All prophets. Ont parlé de ces jours. They spoke about this day. Et pendant qu'il parlait là. As he was talking. Sans la prière. With no prayer. Sans jeûne. No fasting. Dieu le souverain. God the sovereign. Il a envoyé le Saint-Esprit sur ceux qui écoutaient la parole. He sent the Holy Ghost upon those who were listening to the word. C'est vrai. It is true. Et Pierre a arrêté son sermon. And Peter stopped him with his sermon. Il a dit à ceux qui étaient avec lui. And he told those who were with him. Pouvons-nous refuser l'eau de baptême à ceux qui ont déjà le Saint-Esprit sans baptême d'eau? Already, the Holy Ghost. Voyez ça faire. Do you step right? Dieu est souverain. God is sovereign. Tu peux être présent ce soir. Amen. Can be present here this day. Si tu désires le Saint-Esprit. And if you desire the Holy Ghost. Le mot clé c'est désirer d'abord. The key word is to desire first. Désirer le Saint-Esprit. To desire the Holy Ghost. Comprendre que c'est vraiment très important pour moi. To understand that it's very important for me. I must have la soif to have that thirst, la faim, and that answer of the Holy Ghost. Brothers, Dieu peut te le donner. God can give it to you. Même pendant que je prêche là, even while I'm preaching, Dieu peut te l'envoyer. God can send it to you. Et tu deviens candidat céleste. And you become a candidate. Dieu est souverain. God is sovereign. Il n'y a pas de reprendre. Do not find God. Il le donne quand tu le veux. He gives it whenever you want. Ici, c'est pendant la prédication. Here, it was in the course of preaching. Dieu a accordé. And God gave it to them. C'est question d'être prêt. It is just about being ready. Ne pas quitter la maison pour venir ici comme si tu y allais au tourisme. Passer ton temps. Not to leave your home, coming here as if you were a tourist, just wasting your time. Ici, nous venons dans la réunion avec Dieu. Amen. Here, we are coming in the meeting with God. Et quand nous venons ici, nous nous attendons à lui. And wow. When we do come here, we are expecting nous on it. Croyons que tout peut arriver ce soir. And we believe that anything can happen to me. Tout peut arriver ce soir. Anything wow. Can happen. Dieu ce soir peut pardonner mes péchés. Amen. This evening God can forgive my sins. Il peut me justifier. He can justify me. Il peut ce soir me sanctifier. This evening He can sanctify me. Et accorder le Saint-Esprit. And grant me the Holy Ghost. Amen. Si je peux arriver à m'exprimer mieux, if I can express myself better, au faire comprendre. And make you understand. Il est indispensable. That it is imperative. Il est très important. It is very important de recevoir le Saint-Esprit. For you to receive the Holy Ghost. C'est vrai. It is si jamais tu veux être chrétien. If ever you wish to be Christian, il le faut. You must. Mais c'est un don. But it is a gift. Ça ne vous coûte rien. It costs you absolutely nothing. Juste en désir. Just to desire it. Juste avoir soif. Just to have that thirst. C'est sentir dans le besoin. To feel in that, to be in that need. Un besoin réel. A real need. Ton cœur. Your heart. A soif. Your heart is thirsty. Et faim. And is angry. Angry of, with the Holy Ghost. Au même moment, l'année de l'État. And that given time, God give it to you. C'est vrai, frère. It is true, brothers. Si on a besoin de quelque chose, if you need something, on est prêt à faire des sacrifices. You will be ready Amen. To make some sacrifices. On est prêt. You are ready à faire des sacrifices. To make some sacrifices. Where is something? Do you step, brothers? Faire des sacrifices. To make some sacrifices. Parce qu'il y a besoin de ça. Because you need that. On peut tout arrêter. You can stop anything. De venir au tabernacle. You can stop with anything. Seigneur, le tabernacle. Je me mets là. Amen. Lord, I want to be there. Pour que. So that quand tu l'envoies ce soir, je le reçois. When you send it this evening, I'll receive. Si c'est dimanche, je le recevrai. If it's Sunday, I'll receive. Même chez toi, la maison, il peut le faire. Even at your own place, you can calm down. C'est une question de désirer. It is about desiring. Avoir soif. To have that first. Même sur ton lit. Even on your bed. Seigneur. No. Je vais te le
besoin. I really want. Je suis fatigué de fabriquer le christianisme. I am tired of manufacturing. Je veux être conduit par toi. Now I want to be led by you. Je veux que ma vie soit sous ton contrôle. I want my life to be under your je control. Je suis fatigué, Seigneur. Lord, I am tired. Ne me laisse pas trop longtemps comme ça, Seigneur. Do not leave me so long alone. Pas la bouche qui parle. Not the mouth talking, mais le cœur. But your heart. Parce que Dieu voit et entend mieux le cœur. Because God see and listen better from your heart. Que Dieu nous aide. May God help us. Life tabernacle. Life tabernacle. Si dans le programme de Dieu, il veut donner trois personnes dans cette salle, soit parmi. If in God's program you want to give three people the Holy Ghost, count yourself among them. Parce qu'il est souverain. Because he's sovereign. Il fait ce qu'il veut. He does whatever you want. Mais tu peux le lier à sa parole. But you can bind him to his own word. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice. Blessed are ils seront rassasiés. Blessed are those who are hungry and thirst of the world because they will be filled up. Amen. Do you see that? N'attendez pas que quand le pasteur convoquera la réunion de prière pour le Saint-Esprit, alors je l'aurai. Dieu n'est pas comme ça. Do not wait when the pastor will call about the prayer meeting about the Holy Ghost, then I will have it. God is not like that. Yes. Dieu n'a pas un moment précis. Il doit donner le Saint-Esprit. God does not have a precise time when he has to give the Holy Ghost. Il le donne quand tu es prêt. He gives it whenever you are ready. Quand tu le désires. When you desire it. Ça peut être pendant la prédication. It might be in the course of the preaching. Nous avons la Bible. We just read the Bible. Parce que tous les cas que nous avons aujourd'hui, nous devons le trouver dans la Bible. Because all the cases that we might have today must be in the Bible. Pendant la prédication. In the course of the preaching, des personnes upon people n'avaient pas encore reçu le baptême d'eau, le nom de Jésus-Christ. Upon the people that never received the baptism of water in the name of the Lord Jesus Christ. C'est Dieu souverain. In God the sovereign. A surpris Pierre. Surprise Peter. Même l'église de Jésus était scandalisée. Even the Jewish church was scandalized. Il est souverain. He is sovereign. Il les a donné les dons. He gave them the gift. That's a bel nom. Because it is a sa promesse. It is his promise. Pendant que Pierre parlait, while Peter was talking, lequel de l'auditoire était prêt? The heart of the listener were ready. Il désirait. They desired. Nous voulons aussi vivre les choses qu'il parle là. We want to live the things that he's talking about. C'est aussi d'être comme ça. I want to be like that. Et Dieu qui voit le cœur. And God that sees the heart. Il nous a donné le Saint-Esprit. He gave them the Holy Ghost. Amen. In the preaching, Dieu, God, peut donner le Saint-Esprit. Can give the Holy Ghost. Pendant la prière. In the course of the prayer. C'est vrai. It is true. Pendant la prière. In prayer. While we are praying. Let us read that. Acte 4. Acts chapter 4, verset 31. Acts chapter 4, verse 31. Pendant la prière, vous pouvez expérimenter quelque chose. During the prayer, you can also experience something. Verset 31. Acts 4. Acts 4, verse 31. Verse 4. Acts chapter 4, verse 31. 31. Quand ils priaient, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. And when they prayed, the place was shaken when they were assembled together. And they were all filled with the Holy Ghost. And they spoke the word of God with boldness. Ils l'ont reçu à la Pentecôte, acte 2. They received it at Pentecost in Acts 2. Acte 4, quand ils priaient, ils étaient remplis du Saint-Esprit. In Acts 4, as they were praying, they were filled with the Holy Ghost. Même pendant la prière. Even during the prayer. Si vous priez, if you are praying, selon les promesses, according to the promise, étant déterminé, being determined, ayant la soif, le désir de le recevoir vient. Having the thirst and the desire to receive, God give it. Tout autour d'abord est désiré.
Everything is surrounding desire. C'est ça le grand mystère. That is the great mystery. Là, tu peux pas faire semblant. There, you cannot just. Tu peux pas imiter. You cannot impersonate. Il faut désirer. You must desire it. Tu sais que c'est ce que un désir. Do you know what is a desire? Oui. Yes. Si tu as un désir de quelque chose, if you desire something, tu vas le chercher. You are going to look for it. Si tu désires, if you desire, tu vas chercher. You are going to look for it. Et Dieu aussi, and God also, il dit vous me chercherez. He said you will seek for it. Et vous me trouverez. And you will find me. Si vous me cherchez de tout votre cœur, if you seek for me from all your heart, Dieu est trouvable. God can be found. C'est toi qui es distrait. You are the one that is distracted. Toi tu es distrait. You are distracted. Mais Dieu lui est trouvable. But God can be found. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. He let himself being found by those who are looking for him. Dans la prière, in the prayer, tu peux le recevoir. You can receive him. Dans l'assemblée, in the assembly, dans ta maison, in your home, pendant que tu pries, while you are praying, Dieu peut te le donner. God can give it to you. J'ai déjà vu ça. I have seen that. Dieu donnait les gens, le Saint-Esprit, dans la prière de la famille. Amen. God giving the Holy Ghost to people in the prayer, the family prayer at home. C'est question d'être prêt. It is just about being ready. De le désirer. And to desire it. J'espère que vous me suivez. I hope that you are following me. Amen. Ça, c'est vraiment un entretien cœur à cœur. This is just what we are talking heart to heart. C'est vrai. It is true. Que Dieu nous aide. May God help us. Ne manquez pas ce temps-ci. Do not miss this time. Dieu peut déclarer ici un réveil et il faut y participer. God can declare a revival and you need to battle. Voyez? Do you see that? Dieu donne aussi le Saint-Esprit par imposition de main. God also gives the Holy Ghost through the laying of hands. C'est encore un moyen que Dieu utilise. It also means that God is using pour accorder le Saint-Esprit aux croyants. To give the Holy Ghost to the believers. Et je crois fermement à ça aussi. And I firmly believe in that. Que Dieu donne également le Saint-Esprit par imposition de main. That God gives the Holy Ghost by the laying of hand. Lisons ceci. Let us read this, brother. Actes des Apôtres. Acts of Apostles. Chapitre 8. Acts of Apostles chapter 8, verse 14. Acts of Apostles chapter 8, verse 40. Yes. 14 à 17. Acts 8, 14 to 17. Acts 8, 14 to 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Who went? They went came down, pray for them that they might receive the Holy Ghost. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. For as yet he was fallen upon none of them, only they were baptized in the name of the Lord Jesus. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça aujourd'hui aussi. Today there are so many Christians like this. Ils ont reçu la parole. They have received the word. Baptisé, un vrai baptême au nom de Jésus-Christ. Got the true baptism in the name of the Lord Jesus Christ. Mais n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. But never received the Holy Ghost. Verset 17. Verse 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. La Bible. Then laid their hand on them and they received the Holy Ghost. Do you see that? Ce n'est pas Caïf. Ce n'est pas Caïf. It's not Caïf. Non, n'est pas that. C'est Pierre et Jean. It is Peter and John. Voyez? Do you see that? C'est Pierre et Jean. It is Peter and John. Pourquoi Pierre et Jean? Why Peter and John? Des
personnes qui avaient déjà reçu aussi le Saint-Esprit. People that has already received the Holy Ghost. C'est vrai. It is true. Des hommes affermis. People that has expérimenté en matière. Settled down and experienced in the matter. Qui connaissent comment conduire les gens au baptême du Saint-Esprit. Who knew how to lead people to the Holy Ghost. Et ces gens, and these people, ils ont imposé les mains. They laid their hand upon sur ceux qui étaient prêts, on those who were ready, ceux qui désiraient, amen. Those who were desirous. Ce ne sont pas, ce n'est pas Pierre et Jean qui ont donné le Saint-Esprit. It is not Peter and John that gave the Holy Ghost. C'est Dieu qui a donné le Saint-Esprit. It is God that gave the Holy Ghost. Vous voyez? Do you see that? Dans sur les cœurs qui désiraient, upon the heart who desired. Il a donné le Saint-Esprit aux hommes. He gave the Holy Ghost to men and women who desire it. Where's that? Do you see that? But John and Pierre, but John and Peter, les ont aidés, help them. Comment s'approcher à la réalité? How to draw to the reality? Ils ont appliqué la parole. They applied the word. Imposition de main. The lay of hands. C'est l'un des moyens. One of the ways. Provu par la parole. Provided by the word. Par lequel tu peux arriver. Recevoir le Saint-Esprit. Through which you can get to receive the Holy Ghost. Mais si tu n'as pas le désir, but if you do not have that desire, si tu n'as pas suivi les instructions, if you did not follow instructions, il n'y aura pas un bâton magique ici. There won't be any magic stick. Où vous donne la magie? When they are giving you magic? No. Ça dépend de toi. Amen. It comes to you. Amen. C'est clair, n'est-ce pas? It's clear, isn't it? After this, Act 19. Verset 1 à 6. Act 19, verse 1 to 6. J'aime que vous maîtrisez bien ces instructions et que vous soyez sérieux avec. I want you to master all these instructions so that and you must be serious with this. Ce sont les secrets du royaume de Dieu. These are the secrets of the kingdom of heaven. Si tu es sincère, tu seras candidat ici. If you are sincere, you will be the candidate forever. 19. After 19, verset 1 à 6. Act 19, from 1 to 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples, il leur dit. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait le Saint-Esprit. Yet, have ye received the Holy Ghost since ye believed? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Verset 3. Verse 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit du baptême de Jean. And he said unto them, unto what then were ye baptized? And they said, unto John's baptism. Oui, ça. Do you see? Ça, c'est vraiment un véritable médecin. Amen. Un véritable médecin. Pierre. This is a true. Un vrai médecin. This is a true physician. Peter. Oui. Vous savez, je suis le Saint-Esprit. Have you received the Holy Ghost? Depuis que. Since that you believe the message, no, c'est anormal. It is not normal. C'est anormal. It's abnormal. Maintenant, il commence à diagnostiquer. Now he starts performing a diagnostic. Pour qu'on voit là où ça cloche. So that he can see where the problem is. Parce que pour Dieu, because for God, quand vous arrivez à croire, quand vous croyez la parole, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Because for God, once you believe the word, God gives you the Holy Ghost. Ça c'est Dieu. That is God. Quand vous croyez, once you believe, Dieu donne le Saint-Esprit. God gives you the Holy Ghost. Mais quand vous dites je crois, but when you say I believe, Dieu est mort. Then God is alive. Où c'est comment? Oh, what is it? Alors Pierre commence à diagnostiquer. Comment on le fera avec lui? On va diagnostiquer les choses. Then it's not diagnosing the diagnostic things as you are going to do it. Nous le ferons ici avec vous. We are going to do it. On va diagnostiquer. Voir un peu. Retourne vers ce. Qu'est-ce qui empêche? We are going to perform a diagnostic. We will see what is not happening. Comment vous le faites?
pas le Saint-Esprit alors que vous croyez la parole de la promesse? Why don't you receive the Holy Ghost while you are believing in the promise word? Parce que quand tu crois la parole de la promesse, because once you believe the promise word, tu as droit à l'Esprit promis. You have the right to the promised spirit. Yeah. Yes. Mais quand Pierre trouvait ça, il dit non, non, non. But when Peter finds this, he said no. Ça, ça cloche. Something is wrong. Ça ne va pas. Something is wrong. Il dit, de quel baptême avez-vous reçu? Il baptême des gens. Il dit, after John's baptism. Verset 21. Now, verse 1. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Mm. Disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire à Jésus. Then Saint Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. Vous voyez ça? Do you see that? Donc, il a trouvé d'abord un point qui clochait. First, he finds something wrong. Le baptême, la manière dont on a été baptisé compte aussi. The manner that we were baptized count also. Il faut le voir comment vous avez été baptisé. You must review how you were baptized. Comment? How were you baptized? Tu es allé dans l'eau. Un péché sec qui entre dans l'eau. Et on t'a élevé, péché mouillé. Did you go as a wet sinner, a dry sinner? You go into the water and you came out as a wet sinner. Parce que, because avant d'entrer dans l'eau, before you get into the water, tu dois premièrement, you must firstly entendre la parole, hear the word, et ton cœur vivement touché, and your heart must be touched. Tu te repens. And you repent. La repentance précède l'entrée dans l'eau. Repentance foreign the going into the water. C'est très important. That is very important. C'est comme verset. Verse 5. Suivez ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Lorsque Paul les réunit, imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. And when Paul and il parlait en langue et prophétisait. And when Paul had laid his hand upon them, the Holy Ghost came on them and they spoke with tongues and prophesied. Ah. C'est un enseignement scripturaire. It is a scriptural teaching. L'imposition des mains. The laying of hands. Plusieurs n'ont jamais vu ces choses. Mais so many never seen this thing. Mais je vous dis, c'est l'un des moyens. But I'm telling you, it's one of the means. Que Dieu utilise pour accorder le Saint-Esprit aux gens. That God used to give the Holy Ghost to people. Et c'est biblique, c'est scripturaire. It is biblical and scriptural. Je veux dire le prophète. I'm going to read the prophet. Dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné? In why the Holy Ghost was given? Paragraph 2. Paragraph 2. Comment c'est ça? But the Bible says this. Maintenant, demain soir, je voudrais trouver, ou plutôt avoir quelques prédicateurs. Now, tomorrow evening, I want to find, or rather to have some preachers, si possible, if possible, ou sinon quelques hommes ou femmes bien affermis, or some men and women who are well established, bien affermis, à qui nous puissions faire appel en cas de besoin. Men and women that are settled, whom we can refer to when we are in need. Voyez? Yes. Il dit demain. He says tomorrow. Nous avons besoin de prédicateurs. We will need preachers. Parce que un prédicateur essentiel. Essentiel. Avoir reçu le Saint-Esprit.
Because a preacher is meant to have received the Holy Ghost. Il veut dire quelques hommes ou quelques femmes affermis. Some men and women that are settled down. Pas des gens qui sont pas de pied dedans, pied dehors. Not people that are one feet out, one feet in. Affermis. Settled down. Rappelez-vous dans la Bible. And remember in the Bible, Jésus parlait à Pierre. When Jesus was talking to Peter, m'aimes-tu? Peter, do you love me? Si tu m'aimes, if you love me, quand tu seras affermi, tes frères. When you will be settled down or converted, then convert your brother. Pour le moment, dis ça comme ça. But what I'm saying, affermir là, to settle down, on est être converti. Is to be converted. À ce temps-là, Pierre n'était pas converti. At that time, Peter was not converted. Tu seras chambre haute. Up the upper chamber. Il y a être affermi comme des hommes et des femmes qui ont déjà le Saint-Esprit. To be settled down, it men and women that have the Holy Ghost. Amen. Parce qu'un homme qui a le Saint-Esprit, because a man that has the Holy Ghost, peut venir chez toi. He can come by your place. Te parler de comment lui a l'avait reçu. And talk to you about how he received it. Comment il avait fait. How he did. Je vous dis. I am telling you. Tu peux l'avoir aussi. You can also have it. Je vous dis. I am telling you, brothers. Écoutez. Listen. Demain soir. Tomorrow evening. Nous commencerons. We will start. Après le message. After the message. Après la prédication. After the preaching. Nous commencerons à imposer les mains. We will start laying hands. Pour le Saint-Esprit. For the Holy Ghost. Et ensuite. And day after. Vous aurez carte blanche. Donc vous serez libre. Pour rester ici. Si vous le désirez. And after that, you'll be free to stay here if you want. Pendant toute la période de fête, in the entire time or period of the feast, s'il faut tout ce temps-là pour mourir, if that entire time is needed to die, mourir en toi-même, to die within yourself, faut prendre cela au sérieux. You must take that seriously. Au sérieux. You must take that seriously. Voyez, you see that. Je vous impose le main. But what I'm saying, I lay the hand upon you. Vous devez rester. And you must stay. Persévérant. Persevering. Dans la prière. Persevering in si prayer. Si vous devez rester. If you desire to stay there. Oh, frère. Brothers. Lisons encore ça. Let us read that again. La nourriture spirituelle au temps convenable. Spiritual food in due time. Sous Paragraphe 196-198. I am in paragraph 196 and 198. Écoutez ce qu'on nous dit. Now listen to what the paragraph says here. Ici, c'était après la prédication. Here it was after the preaching. Comme prophète. As a prophet. Il était maintenant en train de discerner les pensées des gens. Now he was busy discerning the people's thought. Les gens venaient avec des prières. People were coming in the line of prayer. Et c'était le tour de cette service. Now it was the turn of this season. Après, c'était le bonsoir. And then he greeted, hi. Eh bien, une chose. One thing. C'est que vous avez un trouble féminin. Une prophétie dans le trouble. C'est que les gens. What is giving a prophecy that you have some? C'est que vous avez un trouble féminin. You have some feminine troubles. Vous avez d'autres choses. And you also have other things. Vous êtes nerveuse. You are nervous. Et c'est juste l'âge où l'on devient nerveux. And it's just the age where you become nervous. Des complications comme ça. And some complications. Écoutez. Now listen. Pendant la prophétie, il dit. In the prophecy he says. Mais vous avez aussi un désir. But you also have a desire. C'est celui de recevoir le Saint-Esprit. Is the one of receiving the Holy Ghost. C'est avec un désir. This is the end and desire. Pour le Saint-Esprit. For the Holy Ghost. Au point où Dieu même voyait ça. At the level that God could see that. Il l'a même révélé au prophète. He even revealed that to the prophet. Vous avez aussi un désir. You also have a desire. C'est celui de recevoir le Saint-Esprit. Is the one of receiving the Holy Ghost. Il dit c'est vrai. He said it is true. C'est de cela qu'il s'agit. It is about that. Écoutez-moi, madame, pour la question. Now, listen, but I'm going to ask you. Avez-vous tout confessé?
If you confess all, that's the first question. Second question. Croyez-vous que si je vous impose les mains et que je demande à Dieu de le faire, que le Saint-Esprit viendra? Do you believe that if I lay my hand upon you and I ask God and the Holy Ghost shall come? La sœur dit oui. The sister said yes. Croyez-vous cela? He said, do you believe that? Elle répond oui, monsieur. The sister said yes, sir. Alors on dit prions. But the Abraham said, let us pray. Il le pose les mains. And he laid his hand upon us. Et que je dis après cela, sa prière. Now I want to read by the Abraham prayer. Lui le prophète. Even the prophet. Écoutez. Listen. Dieu bien aimé. Beloved God, je pose les mains à cette femme. I'm laying my hand upon this à la manière des apôtres, like the apostles. Que je demande, and I'm asking, qu'elle reçoive le Saint-Esprit. I'm asking qu'elle reçoive le baptême du Saint-Esprit. I'm asking her to receive the baptism of the Holy Ghost. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Puisse-t-elle le recevoir? Let her receive it. Amen. Amen. 198. 198. He said, yes. N'en doutez pas. Now he's telling the sister, do not doubt. Cela vous appartient. That belongs to you. Vous voyez? Do you see? C'est à vous. It's for you. C'est le pain des enfants. This is the bread of the children. Ça, c'est le membre. This is the main, the feast of God. Vous êtes frère. Do you see that, brother? Tout le monde n'a pas pris ses mains. But the Abraham didn't take his hand. One hour on the person. Push. Jusqu'à ce que la personne tombe. After when the person falls down. Une prière courte. A short prayer. Mais scripturaire. But according to the scriptures. Vous voyez? Do you see that? Il n'a pas imposé les mains jusqu'à ce que la personne commence à sauter. Non. Il n'a pas dit ça. He didn't lay his hand up to the point where the person starts jumping around. Hallelujah, hallelujah. No! Ne forcez rien! Do not push things. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. It is God that gives the Holy Ghost. Oui, frère. Yes, brother. Que Dieu vous aime. May God help us stay ici. You can come here. It's the point of the let's go. I just lay my hand 2 seconds. Spirit, if you do not dance in spirit,
You stay there for 3 hours. Et comme ils savent ça, and they know that. And they start. Dans ça, les start there. Ne forcez rien. Do not force anything. Amen. Laissez Dieu lui-même faire son œuvre. Let God Himself do His work. Le grand secret, c'est toi. The big secret, it is you. La troisième partie est très importante que je vais aborder dimanche. The first part is very important that we are going to start on Sunday. S'il vous plaît, please, suivez ça. Follow this. Et appliquez. And apply. Tu entends? Tu appliques. You listen and you apply. Tu entends? Tu appliques. You listen and you apply. Je te dis, il y aura un réveil. And I'm telling you, there will be a shadow. And the whole fashion. Il va se déclarer dans ce moment. I'm going to be declaring that tabernacle. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Amigo. Alain dit, reviens mon frère. Come back, my brother. Reviens à la parole. Come back to the word. Arrête la distraction. Stop with distraction. Viens à la parole. Come to the word. Dieu t'attend. God is waiting for you. Il est là où tu l'avais laissé là. God is still waiting. You left him. Viens mon frère. Come back, brother, my brother. Chantons dans le respect. Let us sing in respect.
ciel est juste à tes côtés là. I can tell you that heaven is just next to you. Le ciel est à tes côtés là. Heaven is just next to you. Ça dépend de toi maintenant. It is up to you now. De faire un pas pour y entrer. To make one step to go to heaven. De désirer. To desire. Dire à Dieu. Tell God. Je suis fatigué de ce monde. I am tired of this world. Je suis fatigué de cette terre. I am tired of this world. Je suis fatigué de cette vie. I am tired with this life. Je suis fatigué, Seigneur. I am tired, Lord. Dieu a besoin de toi. I need you. De ton esprit. I need your spirit. Pardonne mes péchés, Seigneur. Forgive my sins, Lord. Je suis prêt. I am ready. À faire ce que tu me demanderas de faire. To do what you are going to require me to do. Parce que j'aime que tu m'aimes, Seigneur. Because I want you to help me, Lord. Prie. Father, we thank you. Papa, on dit merci à toi.
For this word, precious word we received is a trial, Lord. Pour cette parole précieuse que nous venons de recevoir ce soir. Father, in your word you said, Père, dans ta parole tu dis, there will be confusion everywhere. Partout dans le monde, tu as la confusion. But my people will never be confused. Thank you to have sent Malachi for a big rainbow, Lord. Merci Seigneur d'envoyer Malachi 4, le grand deuil. To restore us in the truth of the apostle. De nous avoir restaurés dans la vérité apostolique. Yes, Lord. Oui, Seigneur. The restoration means to receive the Holy Spirit. La restauration en soi veut dire recevoir le Saint-Esprit. Father, really, we believe the message. Oh, en réalité, Père, nous avons cru le message. We need to experience the God of apostles. Amen. Et nous voulons expérimenter le Dieu des apôtres. Le Lord. You know, Lord, it's not by random in the receiving this message. Oh, Seigneur, comme tu le sais, ce n'est pas par hasard que nous avons reçu. How many people have heard the message and didn't believe it? Combien de ces gens qui ont entendu ce message et ne l'ont pas cru? But in us, we need to put some more, Lord, attraction to come to this message. Mais à nous, oh Seigneur, tu as mis une seule attraction. Oh, Father, we believe that you want to grant us the Holy Spirit. Nous croyons que tu nous donneras aussi le Saint-Esprit. Forgive our sins. Pardonne nos péchés. Sanctify your people, Lord. Sanctifie ton peuple. We need to see a revival in this church, Lord. Nous aimerions voir un réveil dans cette église. When people change, Lord. Là où les gens seront changés. Amen. You told us that the Holy Spirit is a gift, Lord. Amen. Tu nous as dit ce soir que le Saint-Esprit est un don. If Peter could preach. Si Pierre pouvait prêcher. And the Holy Spirit could fall on the people when he did not baptize. Et les gens avec qui il était, le Saint-Esprit était tombé, ils n'étaient même pas baptisés. Only the way to be with you, listening the truth. Ils faisaient écouter la vérité. You are the same God, Lord. What you are listening is the truth, Lord. Ce que nous venons d'entendre, si c'est la vérité. Lord. Seigneur. Grant a revival in this church. Amen. Accorde le réveil dans cette église. We need to see the church of Pentecost. Nous voulons voir les jours de la Pentecôte. You sent William Branham. Tu as envoyé William Branham. The Lord. William Branham did bring us the message, the true message. William Branham nous a porté le véritable message. In Branham Tabernacle, we could see the church of apostles. Dans Branham Tabernacle, on pouvait voir cette église apostolique. You've taken your prophet. Le prophète est rentré à la maison. But the spirit is still keeping on with the church. Mais l'esprit continue avec l'épouse. We are also in the trace of the prophet. Et nous aussi ce soir nous sommes dans les traces du prophète. Oh Lord. Oh Seigneur. If you did bless Branham Tabernacle. Si tu avais béni une fois Branham Tabernacle. Bless your soul at Tabernacle. Béni aussi la Tabernacle. We are the part of us, the bride. Nous sommes aussi ceux qui font du nombre de l'épouse. Thank you in advance for what you are doing tonight in this church. Merci en avance de ce que tu feras dans cette église. Bless your people. Put a big pressure in each heart of those who are predestined. Mets une pression aux prédestinés. Lord, Seigneur, tell us what we have to confess and to put to be ready. Montre-nous ce qu'on doit faire pour le faire. Oh Lord, bless your people. Oh Seigneur, bénis ton peuple. Bless your servant. Bénis ton serviteur. Fill his dépôt, Lord. Remplis son dépôt. When we are coming Sunday, et lorsque nous serons ici dimanche, we need to be fed by you. Nous aimerions être nourris de toi, Seigneur. If someone did get here sick, Lord, si quelqu'un est venu et est malade, in the name of the Lord Jesus Christ, dans le nom du Seigneur Jésus Christ, bless him, Lord. Bénis le Seigneur. Now we are going out. Maintenant que nous voulons sortir, save us from all accidents. Épargne-nous contre les accidents. Thank you in advance, Lord. Merci en avance, Seigneur. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.